Je suis triste d'être en train de faire mes adieux, mais en même temps, ça finisse une affectation de 3 ans, dont ensemble avec nos partenaires dans le gouvernement et le peuple togolais, je crois qu'on a renforcé le partenariat américano-togolaise. Je suis très fier des réussites qu'on a eues ensemble en ce qui concerne la mobilisation de la cohésion sociale à travers les CIPLEV, nos réponses envers la COVID, nos réponses ensemble, continuation des programmes qui existaient auparavant et les avances que le gouvernement a fait, notamment dans les zones du le comité interministériel contre le trafficking, les efforts à faciliter l'investissement ici, les doing business. Je crois qu'il y a plusieurs différents domaines dans lesquels il y a du progrès. Alors je suis très content qu'en quittant, je crois que je laisse la relation de longue durée du peuple américain avec le peuple togolais plus forte qu'elle était à mon arrivée. Et j'espère bien que ça va continuer un trajet positif avec mon successeur qui arrivera prochainement. Je souhaite au Togo les meilleures réussites à le Togo et à le peuple togolais. J'en suis très certain que les capacités d'entrepreneuriat, les capacités de vouloir avancer les choses sont très très positives du côté gouvernemental aussi bien que de la population.